Je voudrais vous remercier d'avoir eu la gentillesse de partager avec nous cet événement. Aujourd'hui, après 10 ans d'existence, c'est une extension qui traduit le succès de la marque et aussi l'offre produit. Aujourd'hui, nous avons une gamme SUV qui est variée. Nous avons de nouveaux modèles, comme vous avez pu tout à l'heure voir la nouvelle Eon. Il y aura évidemment en 2022 d'autres modèles qui seront importés et présentés à nos clients. Et aujourd'hui, sachez que Seat représente quand même, c'est la deuxième marque du groupe Volkswagen en Tunisie. C'est en termes de volume, c'est la deuxième marque. Et nous ambitionnons, qu'il y ait une petite compétition entre les marques, et on ambitionne ici, en tous les cas cette année, d'être leader au sein de NARC. Donc pour vous dire un peu, c'est de bon augure en fait. Et qui est importante, nous avons pensé à une orientation client et confort client, je m'explique. Le client, quand il se présente dans ce showroom, il a tous les services. Évidemment, la vente de véhicules neufs, le service 4 chevaux, la reprise des véhicules. On peut récupérer 20 véhicules d'un client et lui proposer en contrepartie une Seat, et c'est très important. Et vous avez les services annexes qui sont importants, à savoir l'assurance et le leasing. Ça permet au client d'avoir un parcours aisé, centralisé, plus de confort et un meilleur service. C'est ça l'objet. Donc, il y a deux éléments importants. D'un côté, l'orientation client avec un parcours client aisé. Et deuxième point, un support pour présenter le maximum de produits pour nos clients. C'est ça l'intérêt de cette extension. À l'inauguration de notre nouveau showroom. En fait, on a fait une extension de notre showroom précédent. On a presque doublé le volume, l'espace, pour qu'on puisse exposer en fait 9 véhicules au lieu de 5. Aujourd'hui, la Seat, c'est une marque qui s'impose, qui a plus de 6% de part de marché. On a une large gamme de la citadine à l'SUV. Donc, suite à la demande de nos clients et à la large gamme, aujourd'hui, donc, on fait une extension pour pouvoir exposer la gamme complète.